On va passer à un petit jeu, un nouveau jeu. Ça s'appelle le Javeugle. Qu'est-ce que t'as concocté ? Le Javeugle ! Eh oui. C'est quoi le Javeugle, mon Jamel ? Alors, déjà, moi, je voulais voir avec vous... alors, pourquoi Javeugle ? Vous connaissez les blind tests ? Oui. Oui. Voilà, donc blind, qui veut dire aveugle. Ouais. Donc, c'est le Javeugle. Oh ! Et oui. Je voulais savoir, autour de la table, à peu près, à quel point vous consommez YouTube ? Autour de la table. Est-ce que vous connaissez un petit peu des youtubeurs, des... Ouais, ça va, moi franchement c'est ok. Enfin ça dépend en fait, ça dépend. C'est ça. Mais c'est les mêmes youtubeurs que je regarde depuis 10 ans quoi peut-être. Ah ouais, il y en a des nouveaux, je déconne, oui, il y en a des nouveaux, j'en découvre, ouais. Mais c'est difficile d'en découvrir des. J'ai envie de poser la question surtout à Cédric qui n'est pas très... Si ouais, je... Ouais, ça va. Bah, tu connais la base. Ouais, je connais la base, on va dire. Les gros. Okay. Les gros, ouais. Ok. Ok. Eh ben écoutez, aujourd'hui je vous ai préparé un blind test spécial youtubeur. Okay. Vous avez tous vos ardoises devant vous, je vous invite à les prendre. Mmh. Il va y avoir des extraits audio qui vont passer entre 5 et 8 secondes à peu près, okay. de voix de youtubeurs du coup. Et vous allez devoir deviner, okay. à qui cette voix appartient. Le chat peut jouer en plus, ça c'est et cool. Et le chat peut jouer également, voilà. Vous aurez quelques, on va dire 10 secondes de temps de réflexion après le passage de la voix des youtubeurs. Et puis voilà. Il y a Sullivan qui vient de dire, n'hésitez pas à jouer dans le chat. Petit évidemment. Timo de Sullivan. Incroyable. Évidemment, n'hésitez pas à jouer vous aussi. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Toutes et tous. Alors, on peut commencer du coup avec le premier extrait. Cacophone, il faut qu'on parle. Là, c'est... Waouh, la situation est grave. Ça va pas du tout. J'aurais aimé vous dire pour ceux qui... Voilà. Ça, il est facile. Il est facile, celui-là, si vous l'avez pas, les gars. De toute façon, pour ceux qui sont très axés YouTube, vous allez trouver très, très facilement... Effectivement, c'était tout le monde a eu bon. Shape, mec. Exactement. Thibaut InShape, vous pouvez noter vos points si vous le souhaitez, comme Cédric, la dernière fois. Cédric, tu triches pas. De toute façon, il va regarder la VOR. J'irai la regarder. Il va devenir le monsieur triche de l'émission, tu sais. Je peux tricher sans qu'ils s'en rendent compte. Ah ouais. Non, je regarde. Il regarde l'écran de réponse. Dans le chat, il l'avait. Thibaut en forme, ils ont dit. Oui. Ouais, c'est une bonne traduction. Pour les non-bilingues. Exactement. On peut passer au suivant ? Ouais, allez, vas-y. C'est parti. Je ne sais pas pourquoi je mets les écouteurs parce qu'en fait il n'y a aucun rapport avec les écouteurs. Je vais rien écouter en fait, c'est une habitude, c'est un peu réflexe. Les Putain, animaux je à sais barre, qui c'est. En France. Je crois savoir qui c'est. Je suis pas sûr. Hein. Ah là, c'est j'ai déjà un doute un entre deux youtubeurs. C'est un petit peu plus compliqué là. Je pense. Je sais pas comment ça s'écrit. Okay. Je suis pas sûr. Allez, je crois que c'est un copain en plus. Il manque Cédric. Je suis pas sûr. Ok, je vous laisse montrer vos ardoises. On a Mastu, Sora, Amixem et Hugo Décrypte. Non, c'est pas Hugo Décrypte, c'est... Salut à tous, c'est Hugo Décrypte. Ouais. Non, non. Et c'est Jules qui a le point. Let's go. C'était Sora. Pote aussi, là. On a fait des émissions ensemble, c'est pour ça, je le connais bien. J'ai regardé ses vidéos. C'était et lui, tout. C'est ça. Il un bon avantagé, gars. Lui. Je connais pas du tout. Tu connais pas Sora ? Non, je connais pas. C'est un super gars. En tout cas, il est très tigeant et tout, il est bon délire et tout. Et il fait un peu avancer YouTube parce qu'il se donne un peu pour ses prods en ce moment. Ce que j'adore avec lui, c'est qu'il est trop positif. Ah, d'ouf. Ouais, c'est un truc ça, de c'est ouf. Vachement bien. Ouais. J'ai mis ça sur... J'étais trop fier, genre j'ai mis un tweet sur lui, je demandais trop positif. Il a liké. Wow. Oh, le fanboy. Oh, le fanboy. Non, mais ouais, je suis content. Mais tu sais quoi, ça me fait plaisir que tu sois content, mais je suis en mode genre si tu veux je vous organise un petit facile. Non, tu vas être trop insupportable. je peux pas. Le pauvre. Je peux avoir une photo avec toi. Je peux avoir une photo. Pourquoi t'es fanboy comme ça? C'est un collègue de travail, ouais. Tu vois. Mais oui. Bah, c'est pas un collègue. En fait, c'est ton surtout, je pense qu'il admire beaucoup son travail et que du coup. Ouais, de fou en fait. Moi, quand les gens ils font du contenu de qualité ou qui sont. Tu vois, qui c'est bon, ils sont bons dans ce qu'ils font, c'est génial. Tu vois. En tout cas, tu l'aimes tellement, Sora, que t'as été infoutu de trouver son prénom, donc bravo à toi. Ah, voilà. C'est vrai, non, après, je. Je consomme pas son contenu donc. Ouais. Donc il a fait un tweet pour lui dire bravo pour ton taf. Il mais consomme il pas ses contenus. Le suceur. Le suceur. J'ai pas dit c'est positif comme gars. Ah mais un truc de ouf le gars. Ça m'énerve. Les gens ils écoutaient à moitié. Bah t'es souvent. Et bah je viens d'avoir une idée. Si jamais c'est toi qui perds, tu devras faire un tweet en disant désolé pour mon ancien tweet, mais j'ai jamais regardé ce que tu fais. Voilà. Et tu le mentionnes. Ok, vas-y. Si tu veux. Allez. Troisième youtubeur. Ouais. Je laisse l'extrait se jouer. Je vais essayer d'avoir, je sais pas. Aujourd'hui, c'est un challenge de haut niveau qui nous attend. Nous allons faire la cuisine. Je dis parce que vous l'avez vu dans le titre, je ne vais pas être seul. Je sais direct. Oh, putain. Je sais direct. On est sur une YouTubeuse. Ah, j'ai fait une émission avec elle, donc ça va. Ok. Je vous laisse
retournez. Je pense que c'est elle. Vos ardoises, on a Enjoy Phoenix, Dooms, JujuFitCat, c'est JujuFitCat. Tout le monde a pensé, j'ai pensé à JujuFitCat. Mais je pense pas que ce soit, j'ai pas l'impression que c'est sa voix. Sora, il a une copine. Je me dis il a une amie dans le milieu qui est Dooms et je me dis que s'il a préparé sa chronique logiquement, il est allé sur Sora et après il a vu Dooms. Et c'est une bonne réponse, c'était Dooms effectivement. Je connais pas du tout Dooms non plus. Trop tigeante aussi, elle a fait une vidéo avec Michou, tu sais Michou, il a essayé de caser Dooms, donc il a loué un château. Il a fait participer genre 10 mecs qui voulaient qui étaient célibataires et qui étaient intéressés par Dooms, et c'est elle qui choisissait en leur donnant une rose et tout. C'est une sorte de bachelor gros visité sur YouTube. Et du coup, elle a pris personne, elle a pris Sora. Elle a pris non, pas du tout, ils sont pas ensemble du tout, par contre, ils sont meilleurs amis. Et en fait, OK, d'accord. Ils font pas mal de contenu ensemble. Non, Sora, il a fait une nouvelle vidéo où en gros, il y avait plein de meufs qui arrivaient sur le plateau. Et il faisait découvrir sa copine à sa communauté parce que ça fait des mois et des années qu'il leur cache qu'il a une copine. D'accord, okay. Mais il pense que c'est la bonne, donc autant la présenter et tout, sans en faire des caisses, tu vois. Mais vu que souvent dans les textos, les messages Insta, c'était « Ouais, c'est quand ta copine? Quand est-ce qu'on la voit ?» et tout, tu vois. Bon, au bout d'un moment, il a craqué et tout. Donc tant mieux. Mais Dooms, très sympa, je vous invite à aller voir son contenu. C'est assez sympa. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est sa copine, c'est celle qui fait la voix de Zelda dans Zelda Breath of the Wild. Oui, c'est vrai. Ah, je savais pas. Dans Zelda Breath of the Wild et aussi celle qui fait la voix de Ellie dans The Last of Us. Ok, donc la copine de Sora. Ouais. C'est ça. Ok, ok. Je connais pas son nom, je crois que c'est Adeline, je crois. Je veux pas dire de bêtises, donc on ira vérifier et puis on donnera la bonne info dans l'after demain. demain. En tout cas, c'est un parfait pour Jules pour l'instant. Un petit point encore. Allez, on continue. Quatrième extrait de YouTubeur. Je les aurais pas reconnaître. J'espère que vous allez bien, mes petits frérots. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que Easy. Vous êtes. Je fais une émission avec lui aussi. Putain, en vrai, je triche, hein, mais j'ai fait des émissions avec tout le temps. Je confonds avec lui et son pote. Non, ils ont pas du tout la même voix. Ouais, ils ont pas la même voix. Je confonds tout le temps. Allez, 3, 2, 1. Retournez. Michou. Oh hein voilà, il a confondu aussi. Pour moi, c'était Michou, c'était Inox. C'était Inox. Oh, t'as vu oh, yes. Oh, oui. Attends, Kevin, tu peux nous repasser l'extrait musical? Mais t'as bien sûr. En plus, t'as. Mais Michou, c'est un peu plus aigu encore. Ah bah oui. J'espère que vous allez bien, mes frérots. Mais grave, c'est Inox, putain. En plus, je t'ai dit, je confonds tous les deux. J'ai fait le gars. Non, mais je sais pas, je suis nul. T'as voulu faire le gars et tout, mais non. Let's go. J'ai fait une émission en déco. Avec Michou, je dirais, j'ai fait une émission avec lui. En tout cas, bien joué. Merci. Et en plus, Inox, je kiffe son contenu. Il s'est vachement buté là ces derniers temps. Ah, il s'est vachement amélioré. Ouais. Franchement, Inox et Michou, là, ils font du contenu. La semaine, incroyable. La semaine sur une île déserte, c'est incroyable. Même si, bon, je pense qu'il était un peu déçu parce qu'il avait pas beaucoup de choses à raconter et tout. C'était assez dur, en fait, finalement, la solitude. Mais la vidéo, elle est géniale. Ouais, mais ça fait quand même une bonne vidéo. Il a fait mieux que Koh-Lanta en 20 ans saison. Ouais, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Même pour l'écologie aussi, se rendre compte un petit peu que. Des déchets qu'il y avait sur l'île. C'était hyper intéressant. Parce que tu vois, Koh-Lanta, quand ils font une saison, tu sais, ils arrivent avec leur. Ils nettoient balai, tout. Ils nettoient. Et je trouve ça dommage. Comme je crois, si de rien n'était, tu vois. Et hyper intéressant. Et puis même, il a fait une vidéo. C'était 48 heures enfermé avec Inox, mais c'était inspiré de 60 secondes le jeu. Ah oui, je sais pas si vous connaissez. Bien sûr, bien sûr. Le jeu 60 secondes, en gros, pour le faire, c'est très simple. C'est le jeu commence, vous avez 60 secondes, vous êtes dans une maison, il y a bientôt une bombe atomique. Vous prenez tous les objets que vous pouvez en 60 secondes dans la maison, et après, vous devez survivre le plus longtemps possible dans la cave. Bien évidemment, tous les jours, il y a des choses qui se passent, du style on toque chez vous, il y a des gens qui veulent vous braquer vos provisions et tout, etc. Et ils l'ont fait IRL. Trop bien produit déjà. Les idées des happenings trop bien. Et je dis pas ça, certains diront ouais, suceur, pas du tout, c'était juste trop bien, les gars. Et il y avait Domingo dedans aussi. Ah voilà. Ils y sont restés pendant 48 heures. Du 48 coup, heures. Ouais. Et va la regarder, va la regarder parce qu'on te spoil pas la fin, mais très intéressant à regarder cette vidéo. Et par contre, un truc qui était vraiment cool, c'est qu'ils ont filmé du coup. La montre de Jules Carré. Ils ont filmé une petite intro grave stylée avec justement la chute de la bombe, tout ça. Donc, ouais, de ouf. Parce qu'il y a des effets spéciaux. C'est ça, il y a la partie vraiment qui n'est pas filmée. Enfin, c'est filmé. Il y a une partie un peu comment dire théâtrale et mise en scène. C'est tu vois ce que je veux dire? Il faut une sorte de court métrage au début de l'émission, au début de la vidéo. Et à la fin aussi. Ouais, grave. Et à la fin. Et ça, c'était grave. Même la fin, elle est grave stylée. Allez la voir. Dans le chat, est-ce qu'il l'avait? Dans le chat, ça a beaucoup parlé depuis. Ah, ça dit Inox, Jules, Inox. Inox. Tout le monde avait. Il y a eu quand même un Michou. Ah, il y a eu un Michou. Oui, il y a eu un Michou. Mais franchement, j'ai déjà à vous. Hein. Ouais, Dreamer qui a mis Michou. Putain. Ils sont tout le temps ensemble, donc ils confondent. Oui, c'est vrai. Mais en plus, la honte, quoi. Bon, allez, c'est parti. Allez, prochain extrait. Let's go. L'histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler du cas de Raina Rison, qui est un cas assez horrible. Je sais, je connais pas son blaze. Voilà, déjà. Rien qu'avec ce qu'il dit, vous avez, oui, vous avez des indices. Je vois son physique, je connais pas son pseudo. Je l'ai. Aïe. Donc, je peux pas, j'ai zéro réponse.
Ok. J'ai vu une vidéo que j'ai découvert il y a pas longtemps en plus. Tentez, franchement, tentez. Tente un peut-être truc, mais tentez un trompe, truc, c'est mieux que rien. Ah si, peut-être. Est-ce que. Non, t'as pas d'indice? T'as des indices? Ah merde, là, je me suis trompé. Je alors. N'ai pas d'indice, mais on peut repasser l'extrait si besoin. On peut le remettre. Est-ce qu'il était invité chez Maxime Biaggi la semaine dernière? Non, mais J'ai pas la réponse. D'accord. Je sais pas. Ah bon, il essaie de tricher. Non, mais de toute façon, je l'ai non pas. Non Ah si Indice Indice Ah non Il est un mauvais joueur. Vas-y, passe le son. Ouais, si on peut le remettre. C'était le cinquième. L'histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler du cas de Raina Rison, qui est un cas assez horrible. Je peux avoir un indice si vous voulez, mais non, bon, c'est bon. Un peu. Mais je suis pas sûr de l'orthographe, je pense. Bon, on s'en fout de l'orthographe tant que vous avez la personne. En tout cas, il n'y a aucune réponse. Je pense, en plus, je me trompe de pseudo, bien sûr, j'ai mal écrit. Je vois qui c'est visuellement, j'ai pas écrit. Donc, je peux pas écrire, j'ai rien. J'ai cru que c'était lui, mais je suis allez. Je mets Ekor, c'est un mec qui fait des. Enfin, c'est peut-être pas son vrai pseudo, mais un truc à peu près similaire. Ouais. Et il fait des vidéos sur l'univers Marvel, DC Comics et tout, etc. Est-ce que c'est lui? Ce n'est pas lui. Putain. Poisson Fécond du côté de Cédric, ce n'est pas lui. Bien tenté, Poisson Fécond. Ouais. Et Hugo Décrypte du côté de Sullivan, ce n'est pas lui non plus. Non, je pense à un youtubeur qui fait surtout des trucs d'horreur comme ça. Il explique les situations et c'est vachement stylé. Oui. Et il a tendance aussi à faire des fois des fins de vidéos qui font un peu peur où les viewers ont tendance à se dire il y a un problème et tout. Mais je ne sais ils pas comment ça s'appelle. Feldop ? Pas du tout. Pour vous donner un indice, c'est un youtubeur qui. Donne-nous la réponse, Feron. J'ai personne là. Non. Attends, mais. Vas-y, donne le dernier indice, mais après on. Ok, dernier indice, c'est un youtubeur qui, il y a quelques années, a eu un drama. C'est bon, je sais qui c'est. Avec, oh, ça y est. Avec un youtubeur roux. Je pense savoir. Madame, tu m'as fait du doute. Vortex du nom de... Repasse la vidéo très rapidement, j'imagine la tête du gars. Du nom de Cyril MP4. Oui, bah, connu. De toute façon, il n'y a qu'un. Non, et Super Connard avant qui s'appelait. Ouais, Super Connard. Alors, vas-y. Je crois qu'il y a Cyril. Il a eu un drama avec lui. Allez, dans le chat, ça propose. Didi Chandouidoui. Non. Max est là? Je vois son perso animé. Il a un personnage animé. Il n'a pas de personnage animé, non. Ah là là, bah, MC Dectiz? Non. Je sais pas, vas-y, dis-nous le. C'était Max Kays. Max Kays! Ah, Max Kays! Oui, Max Kays. Mais Dr. Pete, c'est pas écrit aussi. Oui, Max Kays. C'est lui! Mystère. Ah non, je pensais pas du tout à lui du coup. Et bah, du tout, je l'avais pas. Donc, j'ai pas de. J'ai jamais j'ai entendu de parler de ce youtubeur. Par contre, du coup, Feldop, ouais j'adore ce qu'il fait. Ah oui. Mais jamais. C'était pas lui. Et il s'est passé. Non, rien, j'ai dit. Apparemment, c'est celui qui fait une carte Google Play et est caché dans cette vidéo dans le chat. C'était lui qui faisait ça il y a quelques années. Ça fait penser à. Ça, très malin. En termes de watch et tout. Bien, ouais. Ça fait penser au même. Le mec, il y avait un gars qui faisait aussi pareil, mais c'était un gars qui regardait une vidéo. Enfin, en gros, il faisait la même chose pendant 24 heures. Ah, Sam. Ouais, voilà. Il arrange ce gars. C'est un malade mental. C'est un chômeur. Bon, en tout cas, personne ne l'a eu, c'est pas grave. On peut passer au prochain extrait qui va être beaucoup plus simple. Ok. Comment ça va, vous? Moi, ça va. Bon, le concept de la vidéo, il est peut-être pas clair. C'est facile. J'en sais rien. Je sais pas ce que j'ai choisi comme titre. Mais en tout cas, il y a plusieurs années. En plus, je l'ai vu il y a pas longtemps, celle-là. Mais arrête de parler. Comment tu vas? Il lâche sa bouche, là. Allez, un petit replay. Excusez-moi de participer au jeu de mon émission. Moi, c'est facile. C'est arrivé trop facilement. Bah, désolé si t'es nul. Voilà, chais. Voilà. Bah, du coup, j'ai un petit replay parce qu'il y en a deux qui ont pas répondu pour l'instant. Comment ça va, vous? Moi, ça va. Bon, le concept de la vidéo, il était peut-être pas clair dans le titre. J'en sais rien, je sais pas ce que j'ai choisi comme titre, mais en tout cas, il y a plusieurs années, je suis. Facile. Voilà. Moi je l'ai. Moi je l'ai. Franchement, easy. Sony, moi je l'ai. Easy, facile. Il est dans le top YouTuber France. Facile. Bon, allez, une petite réponse. On va attendre le quelques chat, secondes. Le chat, Sony, t'abuses, c'est facile. Allez, je vous laisse montrer. Amixem pour tout le monde et Norman. Norman Norman Tao ouais. Mais non, lui, il est mort, je crois. Et non. Bonne réponse en tout cas pour tous ceux qui ont mis Amixem, effectivement. Mais je suis trop nul. Vous êtes nul à T'es sérieux? Non, mais les gars, franchement, YouTube, je consomme pas. Moi, je consomme que des musiques. J'ai que voir des musiques. Et bah, pas de soucis, c'est pas grave, t'es nul. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le chat, ils ont été solides, mais solides. Genre, oui, bah, ils ont raison. Mais regarde, j'ai 2 points, t'as 2 points, on a le même nombre de points. Ouais. Tu vois, c'est Cédric, mon concurrent là. Je suis nul, on s'en fout. Je suis loin. Deux. Allez, deux ou trois. Deux ou trois. Attends, on en est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on en a fait 6. Nous en fait encore. On a déjà fait 4 encore. Allez, monte à 10. On monte à 10. On peut passer au 7ème du coup, celui-là, il va être très dur. Comptez vos points, bienvenue sur ma chaîne YouTube, les amis. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver pendant ce confinement. J'espère que ça vous fait plaisir. Alors, celui-là est très dur. Personnellement, je ne le connaissais pas.
Elle ne connaissait pas. Et, ouais. Et du coup, tu nous as mis un mec que tu connais pas. Ouais. Bah, il faut de la difficulté. Il est pas inconnu. J'ai pas pris mon pote à 3 abonnés non plus. Mais question. On peut le repasser. Vas-y. Et la deuxième question, mais indice, mais ça va vous aider. Est-ce que le mec, il a pas l'habitude de YouTuber? Ouais. Parce que dans sa phrase, c'est pas, on dirait qu'il est en mode. C'est pas son activité principale. Ok. On peut réécouter. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, les amis. Qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver pendant ce confinement. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est compliqué, okay. Hein. Vas-y, on tente. On tente tous quelqu'un. Ouais. Tentez tous quelqu'un. On va regarder ensuite dans le chat. Peut-être qu'ils l'auront dans le chat. Le chat, ils sont comme nous. Le chat, ils sont. Ah, ils sont perdus. Ah, je suis perdu de ouf. Je ne sais pas. Il y en a la Samuel Etienne. Je vois trop. Hein. Salut les amis, c'est Samuel Etienne. Allez, je ne sais pas, je monsieur Jamel. Je ne sais pas, Théodore. Non, pas de réponse. Et Feld Up. Ah, Théodore, bien tenté, mais il a une voix plus. Il a une voix beaucoup plus enjouée. Ouais, c'est ça. Non, c'était Darko. Darko, putain, voilà. À l'ancienne, ouais. Il fait Secret Story et tout, c'est un ancien joueur pro de League of Legends, je crois. Je sais plus. Punaise, les gars, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Elle était compliquée, celle-là. Et du coup, lui, il fait plus trop de vidéos, du coup, en ce moment. Je sais pas. Ouais. Et bah pour avoir les meilleures actus de ton youtubeur préféré, venez chez nous. T'as cru que ça. Oh non, mais ouais. De quoi, j'ai loupé la vanne. Allez, raconte. Ce qu'il voulait savoir, s'il faisait toujours des vidéos. Tu voulais mater? Non. Pourquoi? Non, mais ça m'a pas là hier, mais Kylie, mais il nous a avoué qu'il avait un crush sur Henry Cavill aussi. Le mec a des crushs sur tout le monde, c'est un truc de ouf. Le mec qui avait The Witchers. L'acteur de Superman. Qui ne fera pas d'ailleurs de la prochaine saison. Oui, exactement. Il est nous dire. Et en même temps, Henry. Non, j'étais sûr qu'il c'est pas son délire. Voilà, le mec il a trop des massif, bras, trop musclé, tu mets Jamel, et Cédric de... et moi, son bras, ça fait toujours pas la taille, tu vois. Non, mais grave. Allez, prochaine. Allez, on passe au 8ème. Extrait, c'est parti. Je rigole, évidemment, je continue les vidéos toute ma vie vers l'infini. Ouais, connu ça. Facile. Mais je vois même pas. Easy caramel. Facile. Je vois même pas. Facile. Tu le vois pas? Je te jure. J'ai pas fait d'émission avec lui. Ah si. Ah Solis, si tu l'as pas. Et vous allez me tuer, il a dans même le pas chat, une voix comme ça. Dans le chat, ils frérot. Mais oui, il a même pas une voix comme ça, en plus. Allez. Aïe. Norman aïe, plus aïe, Buzz aïe. L'éclair, c'est 2 points. C'était Norman, je l'ai mis en... C'est Norman. Mais oui, il a mis bah, Joyka. Norman fait des vidéos. Non. Aïe. Allez, on passe à l'avant-dernière. Allez, avant-dernière question. C'est parti. Martin, oh, installe-toi confortablement. Car aujourd'hui, je te présente celui, en fait, hein, qui me fait chavirer mon cœur depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Oh, ah non. Je la connais. Si, je crois que c'est si. Je suis pas sûr, mais je... Vous voyez forcément qui c'est. Si c'est elle, je m'adore. Putain. Je m'adore. Voilà. Son, on peut remettre ou pas? Je peux donner un indice après. Ouais, vas-y, donne un indice même, tout de suite. Son nom de YouTube est très long. Et découpé en 3. Il y a 2 espaces. Alors, bah, c'est pas elle. Ficat. Je vois remettre... qui c'est, je connais pas son nom. Est-ce qu'on peut remettre. Je sais pas. Mais vas-y, on peut remettre. Allez, on peut remettre. Je tente un truc. On peut remettre. Martin, installe-toi confortablement. Car aujourd'hui, je te présente celui, en fait, hein, qui me fait chavirer mon cœur depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Aussi j'ai un peu trop découpé le début, mais c'est sa phrase, sa Martin, gimmick, Martin, c'est, Martin. C'est Martine et Martin. Martine et Martin. Martine et Martin. C'est quoi Martine et Martin? Elle appelle les gens de sa communauté. Oh non, t'es en train d'écrire. Martine et Martin. Ah non, c'est les gens de sa communauté qu'elle appelle comme ça. Oui, du coup, je peux pas l'écrire. J'étais en train de faire un décryptif parce que je connais pas son nom. Mais je mets des indices. Je peux rajouter encore un indice. Vas-y, ajoute un indice. Est-ce que c'est l'ex d'un belge? Oh non, oui. J'allais le mettre aussi. Non, oui, c'est ce que j'allais donner comme indice. C'est l'ex de... comment il s'appelle? Jimmy Labeu. Ouais. Oh punaise, comment elle s'appelle elle? Oh là là, je sais plus. On regardait les vidéos quand on était gosses, Cédric. En plus, elle était belle, je crois, non? Ah oui, elle est toujours. Ouais. Elle était. Oh, attends. Putain! Je sais pas, je. Je sais plus c'est quoi. Moi, je l'ai tombé. Moi, ça commence par un G. J'ai juste ça, mais. Ah, je crois qu'il. Ça commence par un G, je vas-y, je t'entends. Ils l'ont dans le chat. Un prénom avec un G. Ils l'ont dans le chat? Ils l'ont dans le chat, ouais, je crois. T'as pas triché? Un prénom mixte, il commence par un G. Moi j'avais mis ça, mais en dire. En dire, raconte. Non, attends. J'ai pas le nom. Diaz, c'est la dernière partie de son nom.
Attends, putain. Gabriel Diaz. Oui, Gabriel. Non. Oui, c'est Gabriel. Non, c'est pas Gabriel. C'est pas Gabriel. T'enlèves le bris. Gabriel. Non, t'enlèves le bris. Ah oui, t'enlèves le bris. Gabriel. Oh là là. C'est trop chaud, les gars. Très dur. Gaël Garcia Diaz. Très bien. Donc sur 10, faites votre total, comptez vos points et on découvre tout ça juste après. C'est très quoi précis. Il en manque un. Hein. Il en reste un dernier. Mais qui est très dur, hein. Franchement, force à vous si vous l'avez. Si je trouve, je gagne 5 points. Non. Vas-y. Dernier, on écoute. Dernier. Oh my god. Je sais pas du tout comment vous le dire, mais avant de commencer cette vidéo, je dois vous dire quelque chose de la plus haute importance. Bon, je vais y aller par 4 chemins. Putain, mais je sais pas. J'aurais dit Michou, mais Michou, Oh my god. Alors, je vais vous donner des indices parce que celle-là est très compliquée. Pareil, c'est comme Darko, je connaissais pas. Alors, déjà de 1, c'est un garçon. Et son nom complet, je vais pas vous donner le début qui est son prénom, mais je vais vous donner la suite du coup de son nom de youtubeur. C'est prénom, virgule, tais-toi. Son nom YouTube. Je sais pas si c'est ça. C'est pas le mec qui avait fait une vidéo où il mettait plein de petites billes dans son évier, dans sa baignoire et tout. Non, c'est pas lui. Non, je crois pas que ce soit lui. Je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est un gars de TikTok, surtout. Putain, mais je le connais, je pense. Mais c'est pas les jeux faits pour moi. Mais je sais pas si c'est lui. Je suis nul. Qu'est-ce qu'ils ont dans le chat ? Je sais pas, ils ont des... Tu veux... Je pose mes trucs comme ça, je vérifie et c'est prouvé que je ne triche pas. J'arrête aussi. Enzo, tais-toi. C'est ça. C'est Enzo, moi j'ai mis Sullivan, tais-toi. Ah, je pensais aussi Hugo, à Hugo tout seul. Moi j'allais mettre Sullivan Nguyen, mais pareil. Non, ouais. On aurait dit Sullivan Nguyen là. Ouais, mais il a une voix un peu plus mielleuse. C'était pas. Je vous laisse compter vos points. Ah ouais, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, bon, Panda. Bref. Je vous laisse compter vos points. Vas-y, on compte, mais alors là, c'est pas glorieux. Hein. Sur 10, les amis, dans le chat, partagez vos résultats aussi. Ça a ajouté un point. Non, c'est bon. La VAR demain, de toute façon. La VAR demain, enfin, ou après-demain. Voilà, allez. J'ai eu 5 sur 10. 5, toujours 12 alors qu'il a écrit 4. Ouais. Et Cédric ? Non, ok. Oh, il a combien ? Il a 4 aussi. J'ai 4, j'ai 4. T'as 4 ? Mais sérieux. Et Soli qui a 2. Soli 2. Voilà. Honteux. Mais ouais, non, moi je consomme pas du tout YouTube. Dans le chat, j'ai 8. J'ai 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme comment on appelle ça comme résultat comme 5 sur 10. C'est bien ça aussi. C'est la moyenne quand même. C'est vrai, ça va. Regarde, moi j'ai eu 4. En vrai, j'aime bien ces jeux parce qu'on apprend des choses aussi. Exactement. Zéro. En tout cas, il y a un mec dans le chat qui a dit 0. C'est honnête. Plus nul que Soli, ça existe. Ouais. En tout cas, il m'en reste et cette chronique reviendra plus tard. Grave. J'aime très beaucoup. On pourrait faire avec des streamers, on pourrait faire avec des TikTokers, on pourrait faire avec des stars de cinéma. Évidemment, le Javeugle reviendra. Le Javeugle reviendra. On a hâte, mon Jamelounet.